Chères éducatrices, chers éducateurs, bonjour. Dans le cadre des leçons de démonstration filmées de la collection Les Clés de la Réussite, la leçon d'aujourd'hui s'intitule Les membres de la famille, s'inscrit dans le domaine d'apprentissage, la construction de communication et d'expression linguistique du projet thématique La famille, la maison. La leçon d'aujourd'hui sera traitée en suivant trois étapes indispensables au déroulement de la séance. Observation-exploration, pratique et construction, application et exploitation. La première étape consiste à faire écouter le texte et observer le poster. Allez, aujourd'hui les enfants, on va découvrir ensemble la famille de Lina. La famille de Lina, d'accord? Ouvrez grand les oreilles et écoutez. Lina aime sa famille. Chaque soir, la famille se réunit dans le salon. Papa lit le journal. Maman prépare le repas. Farid regarde les dessins animés. Lina dessine. Je répète. Écoutez, je répète. Lina aime sa famille. Chaque soir, la famille se réunit dans le salon. Papa lit le journal. Maman prépare le repas. Farid regarde. Lina dessine. Dessine un tableau. Lina dessine un tableau. Très bien. Passe au tableau, Abdelhaq. Viens. Dis-moi, Abdelhaq. Que fait papa? Regarde, que fait papa? Oui. Maman prépare le repas. Que fait Farid? Regarde. Lina dessine. Dessine un tableau. Un tableau, bravo. Retourne à ta place. Hajar? Dis-moi, Hajar, que fait papa? Papa lit les journaux. Maman? Maman prépare le repas. Oui. Farid? Que fait Farid? Regarde les et Lina, que fait Lina? Lina dessine un tableau. Bravo, très bien. La deuxième étape dans laquelle l'enfant doit identifier chaque membre de la famille de Lina en répondant à la question « Qui est-ce ?» Les enfants, regardez les dessins, regardez les petites images. D'accord? Qui est-ce? Salah? C'est le papa de Lina. Qui est-ce, Hajar? C'est la maman de Lina. Abdelhaq, qui est-ce? C'est C'est grand-père. Ritej, qui est-ce? C'est grand-mère. Malak, qui est-ce? C'est Farid. Qui est-ce, Hajar? C'est la sœur de Lina, très bien. Et voilà Lina. C'est Lina, d'accord? Viens. Allez, passe au tableau, Abdelhaq. Viens. Malak, tu passes au tableau. Malak, tu poses la question à Abdelhaq. Qui? C'est la maman. C'est maman de Lina. De Lina. De Lina. Lina. C'est Lina, oui. C'est grand-mère. C'est grand-père. Oui. C'est Farine. C'est papa. C'est le papa. C'est le papa. De Lina. De Lina ou de Farine? De Farine, très bien, tu as raison. Rejoignez vos places.
Salah, passe au tableau. Hajar, viens. Salah, tu poses la question à Hajar. Qui est-ce? C'est la maman. De Lina. Qui est? C'est la sœur. De Lina. Oui. Qui est-ce? Pose la question. Qui est-ce? C'est le frère de Lina. Mm-hmm. C'est papa. C'est le papa. C'est le papa de Lina. Très bien. Merci les enfants. Rejoignez vos places. Dans l'étape de l'exploitation, l'enfant va apprendre quelques appellations familiales. Les enfants, suivez avec moi. Je vais écrire au tableau le mot... Oui, j'ai pris un stylo. Je vais écrire au tableau le mot « maman ». Regardez comment j'écris « maman ». M-A-M-A-N. Maman. Ça commence par la lettre M. Ça commence par la lettre M. M. Maman. Voilà. Je vais écrire le mot maman une deuxième fois. Vous voyez? Le mot maman commence par la lettre maman. M. M, maman. D'accord? On a deux étiquettes maman. Semblables. D'accord? Semblable. Maman, maman. Maman. Deux étiquettes papa. Semblables. Papa. Maintenant, je vais écrire papa. Le mot papa commence par la lettre P. P. Papa. Le mot papa commence par la lettre P. 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 A. P. A. P. A. Papa. Alors, on a deux étiquettes semblables du mot papa, papa et deux étiquettes semblables du mot maman. Maman. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je colorie. Très bien. Je colorie. Je choisis une couleur. J'ai choisi la couleur verte. Je colorie l'étiquette de maman et la deuxième étiquette de maman. D'accord? Voilà. D'accord? Ritage. Tu colories les deux étiquettes semblables de papa. Voilà, et l'autre. Voilà, comme ça. Très bien, merci Ritej. Alors, sur le livre, on va faire la même chose, d'accord? On va chercher les étiquettes identiques du mot maman. Maman. Voilà. Montre-moi, Abdelhaq, le mot maman. Maman. Et la deuxième étiquette. Maman. Voilà, excellent. Papa. Montre... Oui, c'est papa. Malek, montre-moi l'étiquette du mot papa. Papa, ça commence par P. Oui. Pipa. La deuxième étiquette. Papa, papa. Très bien. Alors, je colorie les étiquettes identiques avec la même couleur. D'accord? Allez-y, on commence. Voilà, je vais vous donner les livres pour faire l'exercice. D'accord? Cherchez la page. Cherchez la page. Cherchez la page. Prenez les crayons. Tu prends deux couleurs. Deux couleurs. Voilà. Prends deux couleurs, Aja. Tu prends deux couleurs. Je colore. Oui, je colorie. Je colorie les deux étiquettes de maman avec la même couleur. Maman, montre-moi les deux étiquettes de maman. Maman, maman très bien. Papa. Et papa, oui. Je colorie les deux étiquettes de maman avec la même couleur. Vas-y. Haja. Papa, avec une autre couleur, très bien. Rouge. Tu veux le crayon rouge? Voilà le crayon. Papa avec la couleur bleue?
Tu as commencé maman avec la couleur bleue. Papa. Papa avec la couleur orange. D'accord. Le papa. D'accord, vas-y. Montre-moi les deux étiquettes de maman, montre-moi. Les deux étiquettes de maman semblables. Oui, la deuxième. Bravo, vas-y, colorie. Très bien. Ne dépassez pas les contours. D'accord? Comme maîtresse. Oui, bien. Yeah. Bravo les enfants, vous avez fait un excellent travail, très bien. Je range les livres, merci. Rangez les crayons, donnez-moi les crayons. Merci. Très bien, on va terminer avec la petite cantine de la famille. Vous êtes prêts? On va chanter tous ensemble, d'accord? Allez-y. J'aime maman, je lis maman, j'aime papa. Bravo les enfants, vous êtes adorables, applaudissez. Très bien.